Hey, salut, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour la suite de Captain Toonhead versus The Punk, venu d'ailleurs. On y va, let's go. Nouveau monde, donc on va avoir un nouveau biome. Et on va pouvoir effectivement tester le Toon Ride, qui était l'upgrade débloqué à la fin de la précédente vidéo. On rappelle aussi, on a les tours qui vont au niveau 3 maintenant. This place is a mess. What do you mean? Voorhees sure did a number on your home. But it almost looks the same. Oh, fais-lui là-bas. I see. Talk to you later, Flynn. I gotta focus on something here. Janine, why is there a weird guy with a TV here? Another fan? Who the hell are you? I'm Captain Toonhead. Yeah, and wait. I'm coming for you, Voorhees. Yeah, you all are. But you're not even on the ship's manifest. It's my nom de guerre. Lame. That mask won't conceal your identity from my tech. Steady. You're the janitor. Yes, and I'm going to stop you all by myself. Right. I'm gonna Google where you live, and you'll pay for this massive insult. You can't Google Toonhead. Ok. On prend l'argent, on voit qu'il va y avoir 10 cubes à sauver, c'est pas mal, parce qu'on voyait qu'il y a des upgrades à 15, donc c'est quand même plutôt une bonne chose. Voyons un peu comment est la map. Un trajet, hop, et là-bas. Bon, s'il y a des trucs ici, j'imagine que ça va passer aussi par là, il va y avoir un chemin qui va se créer ou quelque chose du genre. Donc ce qu'on va faire, on va créer ici une tour. On va y aller. Et ici, on va mettre aussi une explosive et on y va. On envoie la sauce. Je suis pas proche de l'arrivée, enfin du départ. Merde, j'ai complètement raté le coche. Oh là 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 là, j'ai raté l'argent. Donc maintenant, j'ai les weak points aussi. Alors là, pour le moment, on les voit pas parce que c'est des poulets et je suis même pas sûr qu'ils aient des weak points. On va voir ça un peu plus avec ça. D'ailleurs, hop. On va faire un peu d'upgrade le temps que ça arrive. Alors, hop. Là, on voit les weak points au niveau de la jambe. Hop. Et ça rajoute... Bah, c'est 5 points de dégâts. 6. Ça fait plus de points de dégâts. Donc, c'est pas mal. Je sais pas trop si c'est un pourcentage des dégâts qu'on fait. Là, j'ai... Une chose est sûre. Ah, on a vu un 20. 20, c'est pas mal. Hein. 20, c'est... Ça commence à taper. Ici, on met une glace. Donc, mine de rien, enfin, c'est vraiment une très belle upgrade. Ça permet vraiment d'envoyer du DPS sur les ennemis. C'est un peu ce qu'on souhaite, hein, de toute manière. Hein. On n'est pas là pour enfiler des perles. Ok. On va envoyer. Voilà. Et on va le finir. Niveau 2, ce sera bien. Celui-là aussi, on va le passer niveau 2. Ah bah, il peut. Ouais, on va passer niveau 3 là. On va se dépêcher. Ah, on peut envoyer les poulets. Vas-y, file de l'argent. Yes. Hop. Yes, elle est level 3. Alors là, elle va leur cartonner la gueule. On va envoyer les sbires. Yes. On va pouvoir regarder le Toon Ride. Alors, dans quelques secondes, il y a un poulet qui est en train de passer. Hop. Et là, mon petit poulet. Pour les cas où il y a des erreurs comme ça, hop, on met des tours ici. Ça servira toujours. Tour jour. Ça servira toujours. Quoi? Qui a dit ça? Qui a fait cette blague nulle à chier? Ah, un bruit de chat. Ça pue la merde, les chats. Comme dans la vraie vie. Passer niveau 2? Ok, vas-y, on va le passer niveau 3. Il y a les chats qui arrivent là-bas. Et les chats, ils volent. Et comme on peut voir, ils vont passer par des chemins inattendus. I
En plus, ils ont un peu de vie, les bâtards. Ok, ça se passe bien. Bon, grâce au coup critique, on leur dépiote la gueule, grossièrement. Hop. Ça, c'est niveau 3, parfait, on peut aller dessus. Il y a de l'argent, je pense. Non, pas du tout, pas du tout. Pas très rentable. J'attends qu'il y ait un dino pour vous montrer le Toon Ride. Même si ça aurait sans doute le temps de recharger. Je suis du genre à économiser. Comme dans les FPS où on vous file plein d'armes super fortes. Moi, je joue au fusil à pompe et j'économise les munitions, quoi. Hop, on prend pendant que là, ça upgrade. On va essayer de le finir vite fait. Yes, parfait. Ça leur annule la gueule. On va le finir, ça. Voilà. Hop, on va juste monter et récupérer l'argent. Argent, argent, merci. Et on va... Ah bah là aussi, comme ça. Les trucs de soins, ça nous avait vachement manqué. Je crois qu'eux, il n'y a pas de critique possible, donc il faut vraiment les faire les tuer à l'ancienne. Hop. Les petits poulets, et on ajoute les chats volants avec les îles. Oh putain, allez, là ça commence à être le bordel. Ok, vous m'avez cherché, vous vouliez visiblement que j'utilise l'ulti, on va le faire, on va le faire. Juste, je me débarrasse de ça. Je me débarrasse de chat. Ça perd l'hippopette. Voilà. Quand on les prend bien de face, il n'y a plus rien, ça disparaît bien comme il faut. Il y a des upgrades à faire là-bas, on va le faire, et après, Toon Ride. Ok, parfait, je suis sur quoi comme tour? Ok. Donc, il faut lever les deux mains, et ensuite... Donc, on a deux targets, hein. On peut envoyer sur le jus. Souvenez-vous des dinosaures qui prenaient du temps à être tués. C'est le passé. Ok, là-bas aussi c'est upgrade. Ah bah c'est, je l'ai pas upgrade surtout. Vas-y, on tente le target. Yes! On va monter, je vais juste vérifier la tour qu'elle a. La tour qu'elle a, on va l'upgrader. C'est celui-là, le level 3 si je me gourre pas. Yes. Ouais, parfait. On va aller sur celle-là. Et on va aller upgrader celle-là. Celle-là, elle est bonne. Parfait, celle-là, elle est bonne. Parfait. Personne qui est mort, là? Non? Ok. Vite fait, on l'a fini. Donc il y a vraiment cette gestion de l'upgrade qui est à prendre en compte, ce que je trouve assez intéressant, la manière dont c'est amené, en vrai. Déjà qu'elle ne s'upgrade pas toute seule, enfin qu'il faille taper dessus pour l'upgrader une fois la barre complète. Ah, ça oblige à faire un peu gaffe, quoi. Un peu gaffe à tout ce qui se passe. Je suis où? Ah, je suis pas du tout... Ah oui, non, je suis pas dans le sens que je voulais. Ok, ok, back 5 sur 6, ça devrait bien se passer, mine de rien. 3, enfin c'est un 2 la glace, celui-là on va le passer 3. Ouais, c'est plutôt bien là, hein, quand il n'y a pas trop besoin d'aider, je tire dessus. Ah, des poulets avec du soin, c'est bon ça, hein, ça c'est bien casse-couille.
J'ai quand même l'impression que le truc qui soigne a des PV qui scale un peu en fonction du truc qui se fait soigner. C'est-à-dire que les poulets, ils n'ont pas beaucoup de vie. Donc le truc de soin n'en a pas beaucoup non plus. C'est plutôt pas... C'est une bonne chose, hein. Vaut mieux, ceci dit. Ah, mais ça upgrade. Allez, hop. J'aimerais vraiment réussir à faire ça. Et ça, c'est quoi? Ça, on peut les... Si je tire dessus... À chaque fois qu'il y a la musique du bombardement, c'est qu'il y a des trucs aériens qui arrivent. Une bonne manière de prévenir. Alors eux, ils ont des shields. Donc il faut tirer sur le shield avant de pouvoir taper dans les PV. Ce qui peut être un petit peu casse-couille, on en conviendra bien évidemment. Ah mais level max, je suis con, je l'ai pas encore niveau 3, c'est pour ça que je galère depuis tout à l'heure. Mais quel blaireau. J'avais oublié. On est ma barre de truc. Ah, c'est bon, c'est prêt. On va pouvoir. On attend un peu le rush final. Hein. On est sur la dernière vague, donc il y aura forcément un rush final. Un peu comme quand vous êtes un peu d'artifice où il y a le grand final. Le bouquet final. El finalo buchetto. Hein. Ouais, je parle yougoslave. Couramment, bien évidemment. Ah, il me tourne pas dans le bon sens et j'ai pas envie de me tourner. J'ai la flemme aujourd'hui, ok. Pas venu ici pour souffrir. Ah, c'est vrai que quand vous avez le weak point bien en target, on va se mettre sur celle à côté et on va ride. Oh, quoique ça vaut peut-être pas le coup. Pas tout de suite, on va attendre un peu. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Ouais, je ne sais plus, je suis perdu, là le gros bâtard. Avec son truc de soin, de bâtard, parce qu'il y a que les botteurs qui soignent. Ouais, c'est bien ça, hein. Les PV du truc qui sont assez infâmes. En bas la sauce, Edmo! Yes! Allez, c'est l'heure de la piñata partie, là. Y'a rien d'autre? Non. Ouais, ça dégage, ça dégage, ça dégage. Et dans les upgrades, donc, on pourra rajouter du temps sur le Toon Ride. Ça peut être sympa. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qui tombe? Oh! How did this get here? He googled me. Bah oui, il avait prévenu qu'il te googlerait. Mais voilà, avec une savate à la main. Comment vas-tu? Écoute, savate. Je veux bien que tu m'ouvres là-bas, par contre. Voilà. Allez, montre-nous. Bon, les 10. C'est bon. Hein, on gère. Toujours. Comme une telle, une à la fougère. On gère. Et tel les mots de jeu pourris. Clafoutis. C'est le premier truc qui est venu. Plus 4. Super. Bon, on n'y est pas encore. Si je ne te gourre pas, ça, c'est des 5. Quick. Et en fait, la question c'est comment je remonte moi si ma fusée se barre. Bah, tu te téléportes, mais pourquoi on téléporte pas tout le monde alors? Janine, oh, ça va. Hein. What happened, Elliot? And what is that smell? I think it's my granny's chancla. Oh, that explains a lot. You have a message from Earth. Playing it now. Elliot, mijo, where are you? There was a bright light and my house is now all red. If I weren't walking dog, I'd be gone. What are you doing, Elliot? Shouldn't you be home by now? What's going on with that mission? Are you helping or just watching TV? You better not be watching television. It mushes your cerebro. Te lo he dicho a million times. If I wasn't in a mission, WS had finished already. Debería throw a chunk like you right now. You know it never misses. Elliot Ignacio Salazar Zelensky, stop watching TV and come home ahora mismo. Uy, aquí va la chancla, carajito. Oh no! Who is this force of nature? That's his grandmother. Whoa, the divine ancestor. What was the spell she cast at the end? It's just Spanish. The language of the gods?
What? No, it's just Spanish. I can't believe that Chancla actually reached me here. I'm sure she will be all right. But she's homeless now! I checked the WTF systems and I learned that the Major General has provided her with temporary lodgings. Oh, Granny will hate that! The WTF PR department has no taste! But at least she's safe. Try to focus on the mission, Elliot. It'll take your mind off it. I'll try. I'll come up with something to cheer you up. Tengo conocimiento infinito, algo se me ocurrirá. Gracias, Janine. Means a lot. The next location is ready. You know what to do. Il y en a encore 10 à sauver, 2 chemins. On va aller faire les petites upgrades. J'en ai combien? J'en ai 14. Combien coûte l'upgrade de dégâts de flingue? 6. Alors, on va peut-être aller sur l'upgrade des tours. Juste faire tour de glace 3. Il me semble être une très important. Mortime, ouais, ça on s'en fout. Tourette 4. Ok. Ça coûte un peu pas mal de ressources. Et là, oui, c'est ça. Ok, donc on va prendre les dégâts quand même, maintenant. Chouette. Et parce que cette tour est vraiment très puissante, mine de rien, on va aller se rapprocher de l'upgrade de la tour. De la tour de base, qu'on pourra upgrader au prochain truc en level 4. Si je ne me trompe pas. Yes! Voilà, bon bah c'était la suite de Captain Tooned. On se retrouve dans les prochains épisodes. De toute manière, ça risque d'être très rapide vu que je les tourne au fur et à mesure. Et voilà. Et à très bientôt. Salut. Just like another season.